Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la 16e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel. C'est donc la troisième occurrence de notre symposium Series Storyworld. Ce symposium est le dernier né des conférences professionnelles qui composent le label NIF Extended. Et en effet, il y a 3 ans, sous la constatation de la popularité croissante des séries fantastiques et de leur genre affilié, le festival a voulu proposer un espace de réflexion autour des dynamiques qui régissent l'écriture des séries et de leurs dérivés transmédia. Après avoir exploré les arcanes de l'écriture collective en compagnie de George R.R. Martin et les techniques qui poussent à l'engagement du public en compagnie de Chris Carter, nous proposons en 2016 une approche plus axée sur des caractéristiques nationales, avec un panorama qui est composé de la Suisse, des États-Unis et de l'Angleterre, et de la France. Pour vous présenter les intervenants, je vais céder la parole à Christian Strelet. Merci Anaïs. Ça marche? Ok, parfait. La série nationale, c'est comme un fantôme qui tournaille depuis un moment dans la branche audiovisuelle suisse. Et puis le directeur Roger Dévec, la SSR, ne fait pas de secret qu'ils souhaiteraient d'avoir une série nationale. Et puis, comme ça, ils ont commencé à organiser des ateliers avec des réalisateurs, des producteurs et des scénaristes suisses pour en discuter. Et puis, on a pensé que c'est le moment également de parler des séries d'envergure nationale au NIF, et de discuter avec des réalisateurs, producteurs et scénaristes sur les différents challenges que ça pourrait apporter une série nationale. Et puis, on a le très grand plaisir de pouvoir accueillir cet après-midi pour cette discussion Pilar Anguita McKay, scénariste de Anomalia. S'il vous plaît, Pilar. Ensuite, Loutre Sarine, notre invitée spéciale zurichoise, Bettina Oberli, réalisatrice qui travaille actuellement sur... sur une série énigmatique qui s'appelle Private Banking. Ensuite, le troisième panéliste, Fulvio Bernasconi, réalisateur, scénariste qui a travaillé dans tous les coins de la Suisse, en Suisse et l'Amérique, en Suisse romande et en Tessin, et qui prépare la réalisation de la future série Bélien. Voilà. Et puis, pour compléter notre panel, on a invité Pierre-André Hirley, qui est parmi nous, scénariste, réalisateur et producteur de la série Station Horizon. Et la modération est assurée par Nicolas Dufour, journaliste Le Temps. Merci. On prend cela ? Ok. Allô ? Oui, voilà, cette fois, c'est bon. Et donc, bonjour, merci d'être là par ce temps radieux, avec plein de projections intéressantes par ailleurs au programme du NIF, comme d'habitude. Mais je pense que vous en aurez quand même, pour votre argent symbolique et votre réflexion sur ces thématiques des séries ici, avec quand même nos participants qui sont tous évidemment intéressants dans leur parcours et dans ce qu'ils auront à nous dire. Je vais vous épargner le laïus qu'on pourrait tenter de faire sur le succès constant, croissant du format des séries. On le connaît. On va essayer d'aller justement un petit peu plus loin maintenant. On a vu sur un plan un tout petit peu plus global les émergences, enfin un certain nombre d'émergences qui pourraient nous intéresser, d'autant que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques inspirations, par exemple, du côté des pays nordiques, hein, qui ont bousculer un peu le paysage avec leurs séries et qui n'ont pas rien pour attendre parce qu'il y en a encore beaucoup qui arrivent. On observe comme ça sur la scène européenne, on a été très frappés, vous avez peut-être pu découvrir et peut-être savourer La Trêve, diffusée assez récemment par la RTS, qui est un véritable petit phénomène comme ça de la Belgique francophone qui s'est dite maintenant on va se lancer sur des séries
de qualité plus élevée que ce qu'on faisait jusque-là, qui d'ailleurs s'est un peu influencé des Suisses, il faut bien le dire, en termes de production, de manière de faire, un concours, producteur indépendant, etc. Et qui, du coup, dans sa première volée, réalise deux cartons, La Trêve et Ennemi Public, qui viendra juste après, qui sont préachetés par des pays, etc. Enfin, on assiste comme ça à des phénomènes assez étonnants. Et bien entendu, tout ça va se produire en Suisse, et se produit déjà, en partie en tout cas. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser ici. Et ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons un cahier des charges, hein, c'est un peu les cahiers de devoirs estivaux, déjà, on est comme à la plage, hein, imaginez, avec des petits cahiers édition Nathan, ou Payot, en l'occurrence. C'est très précis, notre question, c'est cette question de l'envergure internationale. Christian a parlé du fantôme, on pourrait dire serpent de mer, ancienne, fantasme de Devec et de la SSR, SRG, idée suisse, ex-idée suisse. Néanmoins, c'est vrai que voilà, la question continue à se poser. Moi, comme spectateur, un tout petit peu curieux, ça fait quand même des années que je suis consterné de constater qu'on ne voit pas les séries alémaniques. Bon, ils en ont produit un peu moins ces dernières années, hein, des séries en Suisse alémanique, on en parlera avec Bettina. Mais néanmoins, il y a eu nombre d'exemples de séries Tagunart, par exemple, hein, que les romans n'ont juste pas pu voir. On ne les a même pas en DVD sous-titrés, au moins, pour savoir ce qui se fait à Zurich, quoi. Et c'était grosso modo un peu la même chose dans l'autre sens. Alors, c'est de ça que nous allons parler. La circulation dans un pays qui est toujours fier de sa diversité culturelle et où on constate que dans la fiction de télévision, eh ben, ça passe pas, quoi. Enfin, chacun un peu dans son coin, et comment surmonter le truc. Alors moi, j'ai envie de commencer la discussion avec celle qui était justement la première sur scène, Pilar Anguita Mackay, parce que Anomalia, évidemment, c'était un phénomène à divers niveaux, et notamment du fait que c'était la première série fantastique de l'histoire de la télévision suisse, je crois qu'on peut le dire sans risque. Est-ce que ce caractère fantastique, d'après vous, a pu aider à sélectionner votre projet dans l'idée que bah, peut-être il pourrait séduire aussi les alémaniques? Ou pas? C'est une question difficile. Je peux la tourner autrement. Est-ce que vous y pensiez, aux alémaniques? Non, justement, c'est plutôt... Ils vont la découvrir bientôt. Hein. Oui, elle va passer en Suisse alémanique, ce qui est déjà une nouvelle en soi. Mais est-ce qu'il y a, à un moment donné, quelque chose qui est dit par les gens de la RTS ou par votre producteur ou que sais-je, de dire, ah, bah, faut penser aux gens là-bas? Au moment de la conception de ces projets, le genre, le fantastique, n'a pas été un critère... disons, je n'ai pas choisi ça en me disant, ça va plaire à tout le monde, ça va bien voyager. C'est pas comme ça que ça a commencé. Ça a commencé à l'inverse. Disons, c'est le sujet même qui m'a amené à ce genre. Je dois comme dire qu'une fois qu'elle est dehors et elle existe comme une série de genres, ça a plus cette côté original. Et c'est maintenant une carte de vente, c'est évident. C'est la première série suisse fantastique, et c'est quelque chose qui peut peut-être éveiller la curiosité des Suisses allemands aussi. Ils vont la présenter en étant doublés. Oui. Est-ce que vous avez été sollicité pour le doublage, c'est-à-dire peut-être adapter certaines choses ou les rendre un peu plus alémaniques? Non. Ils le font, eux? Dans leur coin, d'accord. Oui. Voilà. Sur le plan roman, cette caractéristique-là, puisqu'en plus nous sommes au NIF, cette particularité, disons, de la série, dont évidemment on pouvait se dire que c'était risqué, hein, parce que c'est pas facile le fantastique en plus. Déjà en film, peut-être à plus forte raison en série. Est-ce que finalement, vous qui veniez, vous aviez fait un long métrage qui n'était pas du tout dans ce registre-là, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était une sorte de difficulté supplémentaire par rapport à votre travail au cinéma? Non, du tout. Pas du tout. Moi, j'ai choisi ce genre parce que j'aime beaucoup et je me suis dit, c'était la première fois que j'écrivais des séries et je me suis dit, j'ai envie d'essayer, j'ai rien à perdre, j'ai rien à prouver non plus. Voilà, je me lance parce que j'aime bien ça. C'était vraiment du plaisir d'écrire quelque chose comme ça. Par amour du genre, quoi. Oui. Ouais. Et bon, et c'était très lié au sujet, parce que c'était, ouais, les sujets de base, c'était les guérisseurs, que c'est le monde spirituel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc ça s'est prêté parfaitement au genre du fantastique. Est-ce que ce qu'on voit est vrai ou pas? Ça existe ou ça n'existe pas? Voilà. Donc c'est les sujets qui amènent le genre, quelque part. Pierre-Adrien Hirlet, alors Station Horizon, ça, je peux dire, ah bah vous avez un micro.
Alors là, pour le coup, évidemment, on était en Valais, mais pas. Enfin, on était aux États-Unis, mais pas vraiment. Enfin, on était dans Station Horizon, quoi. Voilà. Donc, on était ailleurs. Pour faire une série en Suisse, finalement, c'est bien d'être complètement ailleurs. Alors, on était à Horizonville, et c'était parti d'un. Je pense que c'est bien de faire voyager les spectateurs, et le sujet de Station Horizon. Il vient d'une constatation que j'avais faite à l'époque sur la grille de la RTS, et il y avait, en regardant les programmes qui marchaient bien, j'avais constaté que la série documentaire Bye Bye la Suisse sur les Suisses qui partent vivre à l'étranger faisait des audiences exceptionnelles. Je remarquais que Passe-moi les jumelles qui offre de l'évasion fait des audiences exceptionnelles. Je crois qu'il y a encore quelques mois, ils ont fait leur record, ils ont été à 42% d'audience. Et donc, j'ai pensé à ce moment-là qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer vis-à-vis de l'évasion, vis-à-vis de quelque chose d'exotique, mais tout en restant en Suisse. Et c'est en découvrant le travail de Yann Gross, qui s'appelle Horizonville, où il a photographié la vallée du Rhône comme il aurait photographié les États-Unis, avec ses passionnés d'Amérique, de musique country et de cow-boy, qu'il y avait quelque chose, un mélange assez unique. Et donc c'est de là qu'on est parti avec mon équipe sur le sujet de Station Horizon. Au moment du lancement de notre série, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que vous étiez vraiment d'une franchise assez désarmante dans le discours, en disant nous on veut que ça marche, quoi. D'ailleurs, vous le dites, hein, vous avez analysé d'abord ce qui marche pour s'inscrire un petit peu dans ce registre. Ça vous a d'ailleurs un peu réussi, puisque en termes d'audience c'était plutôt pas mal sur la RTS. Est-ce que cette façon de penser, qui n'est pas complètement encore tout à fait répandue sous ces contrées, à votre avis devrait être intégrée comme ça à chaque projet de série, c'est-à-dire un peu davantage penser un peu chiffres? Ben, on fait de la télévision. Je pense qu'on fait de la télévision, on s'adresse à un public qu'on doit apprendre à connaître. On a une audience donnée, on nous indique une case dans la grille des programmes. Pour nous, c'était samedi soir à 20h10. On nous explique que l'audience de cette case horaire, elle a un profil démographique comme ci ou comme ça. Et donc, nous, notre but, c'est quand même que le plus grand nombre de ces gens voient notre série. Donc, on essaye de faire un travail qui va à la rencontre de ce public. Et c'est justement ce qui nous a plu. Avant Station Horizon, j'ai fait un long métrage coproduit avec Freddy Landry, qui est ici présent, qui s'appelle All That Remains, co-réalisé avec son petit-fils Valentin. Et donc, quand on a fait All That Remains, on a fait un film de toutes pièces, mais on n'a pas pensé à notre public. On s'est dit, bon, on fait le film qu'on veut, puis ensuite, on verra bien si ça plaît à quelqu'un. Alors, on a fait une sortie en salle, etc. On a fait un certain nombre d'entrées. Mais il y avait quand même une frustration de ne pas savoir à qui on s'adresse. Et effectivement, de faire un constat à la fin, de se dire, finalement, il y a assez peu de gens qui ont vu le film par rapport à l'effort qu'on a fait. Et là, de savoir qu'il y avait un rendez-vous avec des centaines de milliers de personnes, c'était une grande satisfaction. Alors, pour revenir à Station Horizon, en Valais, il y a le Haut-Valais, qui est quand même un peu germanophone. Et puis, on n'est pas loin quand même de l'Italie. Est-ce que vous aviez, à un moment donné, une sorte de petite sensibilité à cette fameuse dimension nationale? Est-ce que vous vous êtes dit, on va glisser dans la série une sorte de petit gimmick qui pourrait être un appel au public alémanique ou italophone? Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a tourné... on va dire 90% de la série en Suisse alémanique, puisqu'on a tourné en Haut-Valais, à Tourtemagne, qui est après Sierre déjà un territoire germanophone. Mais évidemment, ça, c'est des questions de production qui nous ont amenés là, de décors, etc. Mais c'est clair qu'on était dans un environnement où c'était logique d'avoir des personnages qui parlent suisse-allemand. C'était même un élément comique. On a le personnage de Willy, le camionneur saint-gallois, qui vole la femme de Charlie. C'était, voilà, on avait envie de jouer avec ce personnage, avec cette culture, avec ce Rüchtigraben, ce gap culturel. Mais ce n'était pas une priorité. Nous, on a un client, c'est la RTS. On a une audience sur laquelle on est jugé, c'est le samedi soir sur RTS 1 à 20h10. Et notre mandat, ce n'est pas de plaire à toute la Suisse, c'est de plaire à la RTS d'abord.
Et c'est clair qu'en tant que producteur, on doit remplir cet objectif-là dans un premier temps. Ouais, ça, c'est évidemment très intéressant, on y reviendra. Mais Bettina Oberli, vous avez déjà travaillé sur un certain nombre de projets. Vous êtes en plus en train, bientôt à bout touchant, comme on dit, d'aller déposer un projet de long métrage du côté de l'OFC. Et par ailleurs, vous travaillez sur un projet de série du côté alémanique, au nom de code de private banking. Ça donne une petite idée de l'univers dans lequel ça va s'orienter et qui est un thème décidément très à la mode, puisqu'on l'évoquera aussi avec Fulvio Bernasconi juste après. La banque, donc vous êtes sur ce projet-là, hein, donc ce n'est pas encore tout à fait défini, série, mini-série, ou peut-être un peu long métrage, voilà. Mais la banque, on se dit, ah là, Genève, Zurich, c'est bon, on est national. Oui, moi je n'aurais pas de problème avec ça. Parce que c'est un sujet qui vraiment, tout le monde qui lit le journal s'intéresse. Et il y a chaque jour des événements. Des trucs qui arrivent, des scandales, c'est un sujet très, très chaud. Mais comme on a commencé à développer dans un cadre pour le SRF à Zurich, c'était jamais en discussion. Mais bien sûr, j'ai aussi pensé que ça pourrait être un truc national avec une banque mère, une banque à Zurich et une dépendance à Genève, à Lugano. On pourrait vraiment faire, mais on n'a pas continué à développer ça. Donc là, ce sera à Zurich seulement. Seulement à Zurich, oui. Simplement parce que c'est des histoires d'argent, enfin de coûts de production. Comme Pierre-André dit aussi, on a le mandat pour faire un truc pour la public de SRF. Alors, je vais préciser, parce que moi-même, je l'ignorais avant que je vois les quatre personnes ici présentes, qu'elles ont participé, Pilar un tout petit peu moins pour des raisons pratiques, hein, mais à une sorte de gigantesque think tank organisé par SRG et SSR sur cette thématique-là. Donc, vous voyez que vraiment, on phosphore du côté du service public à ce sujet. Alors, Fulvio Bernasconi, bon, vous avez tout fait, vos fictions, documentaires, même des docs sur le foot, des films, faut-il rappeler Fuori dalle corde, des dernières en date. Et effectivement, comme il a été souligné, vous avez travaillé dans les trois régions linguistiques. Peut-être, je suis sûr que vous avez même dû faire quelque chose du côté des Grisons et vous avez fait encore les quatre régions linguistiques. Ouais, blague à part. Oui. Non, mais ça me fait rire parce que j'ai tourné dans les Grisons le film pour l'Expo 02 qui était ici. En fait, c'était à Yverdon. Mais enfin, bref, ça m'évoque être à Neuchâtel, m'a évoqué ces souvenirs-là. S'il existe un véritable Suisse, c'est Fulvio Bernasconi. Est-ce que, alors juste sur cette histoire du mandat, c'est intéressant. Est-ce qu'en fait, parce que c'est vrai que de toute façon, les auteurs, les producteurs, etc., ils sont dans leur biotope. Et comme le dit très justement Pierre-Adrien, le mandat, si on peut dire, il est toujours local. Il est à Genève, il est à Zurich ou il est à Lugano. Est-ce qu'il faut... Oui, le problème, c'est qu'il n'a pas une rédaction nationale. Il a des différentes rédactions, il a des différents argents. Et il n'a pas un pot où il y a l'argent pour une série nationale, juste là. Alors, c'est toujours un peu comme ça. Alors, on va y venir, peut-être juste Fulvio Bernasconi, parce qu'il se trouve, comme par hasard, que vous travaillez sur une thématique bancaire. Quartier des banques, donc on risque d'avoir deux séries sur la thématique, qui seront forcément très différentes. Mais alors, vous, est-ce que vous vous dites, dans la préparation du projet qui est déjà pas mal avancé, hein, on parle de tournage dans quelques mois, est-ce que vous vous dites, là, il faut vraiment qu'on essaie d'être à l'échelon national ? Oui. Mais avant de répondre à ça, j'ai une petite prémisse. Moi, effectivement, j'ai travaillé dans les trois régions linguistiques et même dans les trois unités d'entreprise de la SSR. Donc, je connais un peu le... Moi, je suis un peu, disons, je suis un peu pessimiste aux possibilités de produire des objets culturels nationaux. Je pense que c'est probablement possible, mais c'est difficile. Moi, je l'ai vécu, sur ma peau, on va dire. Mais vraiment, on est vraiment dans trois cultures très, très, très séparées, très différentes. Et même quand on a l'impression de se comprendre, on ne se comprend pas tout à fait. Et je pourrais évoquer des exemples. Mais si on fait référence à la culture rock des années 80, ça ne veut pas dire la même chose à Genève, à Zurich ou à Lugano.
Donc moi je pense que c'est une difficulté. Je pense que cette difficulté de créer un objet qui serait une série nationale va un peu au-delà de la rédaction. Tu as raison, il n'y a pas ça, de l'argent, de la volonté, etc. Il y a quand même comme ça, un clivage culturel qui doit être surmonté. Bon, cela dit, je réponds à la question. Mais je ne peux pas vraiment répondre autrement que mes collègues. C'est-à-dire, cette série sur la banque est pensée pour la RTS. Okay, ça se trouve qu'on fait en coproduction avec la Belgique, d'ailleurs avec des gens qui ont travaillé dans les séries belges, un peu en termes d'acteurs, techniciens, etc. Mais à la base, c'est quelque chose qui est très pensé Genève, Suisse romande. Naturellement, l'ambition, la mienne, mais celle de tout le monde, c'est de faire quelque chose qui dépasse le cadre régional, même le cadre national, éventuellement. Mais je pense qu'il n'y a pas... Je veux dire ça comme ça, ça reste entre nous, quoi. Mais c'est déjà tellement difficile de remplir, en fond, les consignes d'une chaîne que penser d'emblée quelque chose de global, je ne sais pas, me semble compliqué à l'état actuel de la production en Suisse. En plus, vous avez effectivement ce cas de la production avec un coproducteur belge. À la limite, naïvement, on pourrait se dire, avec une thématique comme celle de la banque, au moment où le secret bancaire agonise, on pourrait se dire, à la limite, vous pouvez parfois penser que vous aurez peut-être plus d'intérêt vous pourriez peut-être vous dire de privilégier l'intérêt international à celui de l'autre côté de la Sarine, non ? Je ne sais pas, parce que vous, s'il s'agit de Genève, on peut imaginer que les Français, ça puisse aussi les intéresser, par exemple. Mais comme les banques les intéressaient. Bon, ça, je peux vous dire que le retour qu'on a jusqu'à maintenant sur la série qui est en train de qui va être tournée en janvier, si tout va bien, on ne sait jamais, mais on l'a prévu pour janvier, est plutôt positif à l'international. Les retours qu'on a de Belgique, France, sont plutôt centriques parce que le secret bancaire, la banque suisse, c'est quelque chose que dont les gens ont entendu parler, c'est un peu exotique. Or, à Zurich, c'est beaucoup moins exotique. Je veux dire que l'attrait du sujet lui-même est différent à l'étranger parce que c'est quelque chose d'ailleurs. C'est un peu si on faisait une série sur la chasse à l'éléphant, quoi. Je veux dire, c'est à ce type d'attrait-là, il me semble, pour le moment. J'en ai parlé encore ce matin avec quelqu'un de la Belgique, un producteur belge. Donc, vous voyez, les choses sont jamais. Je sais pas. Je me rends compte d'être pas très concluant ou très affirmatif, mais les choses sont effectivement, à mon avis, difficiles à cerner. Et j'attends un peu de voir le résultat aussi, si on parle de cette série-là. Qu'est-ce qu'on va produire et comment cela va être perçu à l'étranger et en Suisse. Vous êtes seul à écrire, en fait, ou vous êtes plusieurs? Non, pour être sur cette série-là, Quartier de banque, pour raconter brièvement l'histoire, c'est une idée de producteur, Jean-Marc Frohle de Point Prod, qui a eu l'idée. Et puis, moi, avec Fleur Vasseur, qui est une écrivaine française spécialisée dans le domaine, dans l'investigation, on a développé le concept jusqu'à, disons, aussi, les synopsis des épisodes, en gros. Et maintenant, il y a tout un team, beaucoup de scénaristes qui travaillent sur les scénarios. Et moi, je ne suis pas en train d'écrire actuellement, je vais réaliser après. Alors, Bettina Oberli, l'histoire de la rédaction, comme vous disiez, hein, donc, puisqu'on nous sommes maintenant plus ou moins à l'heure de des writer rooms, dans la logique de la série nationale, comme l'imagine Sergei SSR, alors est-ce qu'il faut se dire, on fait des writer's rooms mixtes, si j'ose dire, c'est-à-dire romande et alémanique. Est-ce que c'est une expérience à essayer ou pas ? Je ne sais pas. J'en crois pas vraiment au writer's room. Ouais. C'est toujours une situation artificielle. Et je crois qu'il y a des auteurs où ça marche bien et il y a aussi la contraire. On a
déjà vécu Writer's Chalet. Nous, on se connaît. La SSR essaye, il essaye. Il commence à offrir des cadres et de nous mettre ensemble pour développer des idées. Mais ça reste un peu artificiel et je crois quand même que, par exemple, notre série à Zurich, c'était... Moi, j'avais l'idée, mais il faut aussi dire que ce n'est pas une idée. Il ne faut pas penser trop loin. C'est très logique qu'on commence à faire des films sur des banques parce que c'est sur la rue. Mm-hmm. Il y avait 100 propositions, là, pour des séries, et 30 traitaient le sujet des banques. Alors, c'est très relevant, actuel, tout ça. C'est aussi pour ça qu'on a... C'est logique que chez nous, il y a des idées comme ça chez vous. C'est très logique parce que c'est la Suisse aujourd'hui. Et quand on dit on veut des séries relevantes, c'est logique. Et moi, j'écris avec un Danois. On a dit on veut qu'un Danois vienne écrire avec nous parce que, comme on sait, ils sont les meilleurs. On a trouvé un Danois qui travaille pour le DR et qui parle allemand, alors il peut écrire en allemand, et c'est un troisième membre, et on est les trois. Et on n'a jamais changé, on a commencé à développer il y a 2 ans et demi, et on est toujours encore que nous trois. Et c'est un truc, c'est peut-être parce que je viens du cinéma, j'ai jamais écrit une série avant, mais j'en crois beaucoup à une team qui reste ensemble et qui poursuit une idée du début à la fin. Alors, par contre, au niveau de l'expérience, justement, Pilar Anguita Macque, vous avez par ailleurs, donc bon, ok, il y a Anomalia, puis vous avez beaucoup de choses parce que vous avez travaillé pour une série pour Arte, et puis vous avez remporté le concours, si on peut dire, d'une prochaine série RTS. Vous êtes très forte en termes de marketing, vous avez déjà votre slogan, hein, la Downtown Abbey des montagnes, puisque ce sera sur un hôtel et histoire de très rapidement résumé de l'hôtellerie et des débuts du tourisme en fait dans le milieu alpin. Et vous dites, moi je voulais un Zurichois dans l'équipe. Pourquoi ? Oui, bon, au contraire de ce que disait Bettina, moi j'y crois vraiment à la writer's room, mais il faut savoir la mettre en place, et ça c'est pas facile. Pas seulement du point de vue des auteurs, mais du point de vue de la production. Parce que vous savez qu'il y a l'émergence d'un nouveau rôle, qui c'est le showrunner. Et ça rentre en concurrence directe avec les réalisateurs. Et je pense en Europe, pas en Europe, en Suisse, en France, c'est quelque chose, on n'est pas encore là. C'est-à-dire, ici, on a quand même la tradition du cinéma auteur, les réalisateurs sont rois, quelque part. Et finalement, dans les séries, du moment où il y a The Writer's Room, il y a un showrunner, c'est le showrunner qui devient le personnage clé en fait, de la série. Alors, dans le cas de la nouvelle série qu'on commence à développer maintenant en août, c'est encore une fois le producteur qui est venu avec l'idée, c'est Jean-Marc Froll, c'est le même producteur de Fulvio, et qui m'a proposé cette idée sur les premiers hôtels, les palaces alpins, et puis en fait une série d'époque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que tu peux développer un concept? Et alors, l'idée est venue justement de raconter cette période un peu glorieuse de la Suisse, sur les pionniers suisses. Et je me suis dit, bon, écoute, une de mes conditions, c'était j'aimerais un writer's room et j'aimerais la choisir moi-même. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça m'intéresse d'avoir des gens différents. Et je vais travailler avec les Zurichois, je vais voir qu'est-ce qu'ils sont, est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. J'ai interviewé une vingtaine de personnes en Suisse et à l'étranger. Et finalement, on a constitué une writer's room assez internationale. On a une Française, on a deux Françaises, on a le Zurichois. Moi, je suis chilienne, mais bon, j'habite ici depuis longtemps. Et on va travailler, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on travaille, ces quatre personnes, sur les arches, donc les lignes fondatrices de la série, et ensuite, il n'y a que deux qui vont continuer les épisodes. Ce qui fait que, si plus tard il y a des problèmes avec des scénaristes, on peut toujours piocher de nouveau dans cette writer's room qui a créé tous les arches, donc tout le monde est au courant de ce qui se passe et des enjeux. Donc finalement, il y a une continuité par rapport à l'écriture. Et ce n'est pas justement de se remplacer un aux autres et que les gens débarquent sans rien savoir, etc. Voilà. Mais dans ce souhait que vous avez de la diversité, alors,
puisque nous parlons de la dimension nationale, votre collègue d'Uriquois, vous en attendez quoi ? Qu'ils vous disent, là, il faudrait peut-être faire ci ou ça pour éventuellement appâter un peu le public alémanique ? Ce qui se passe, c'est que nous, on est des auteurs. C'est très différent à parler le point de vue du producteur qui cherche l'argument des ventes. Pour nous, moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il me dise, écoute, chez nous, si ce type était suisse-allemande, il réagirait comme ça. Son idée, ça serait ceci. Et pas celle-là, qui est différente du roman. Et donc, c'est quand même une diversité par rapport aux personnages. Il y aura des personnages qui... évidemment, il y aura des personnages qui vont être suisse-allemands et qui vont avoir une logique qui est propre à cette culture-là, quelque part. Ah oui, c'est ça. Donc, quand même, l'échange aussi à ce niveau-là, des différences culturelles, parce qu'il faut les poser. Mais encore une fois, c'est parce que les sujets se prêtent à ça. C'est une époque où il y a un mélange. En fait, il y a des Suisses allemands, des Suisses romands qui ont créé cette hôtellerie suisse. Et il y a l'aristocratie anglaise qui est venue. Donc, on va aussi, à un moment donné, on aura des scénaristes anglais qui vont se rejoindre. Mais c'est encore une fois, quelque part, c'est pas artificiel dans le sens que c'est le sujet qui demande ça, une réflexion un peu plus large. Et c'est peut-être aussi moi, que je ne suis pas suisse, donc moi je me dis, je prends ce qu'il y a de mieux de tous les coins. Moi j'aime bien ça, j'aime... Et on met tout ça ensemble. Pierre-Adrien Hirlé, avec cette expérience un peu particulière de Station Horizon, au fond, si on allait jusqu'au bout de la logique, voilà, faut créer des séries nationales, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'alors, par rapport à ce qui était dit, et ce que vous disiez vous-même, que votre interlocuteur, c'est quand même... L'élément local, si j'ose dire, enfin, c'est-à-dire SRF d'un côté, RTS de l'autre, est-ce qu'il faudrait que le commanditaire des séries en Suisse soit carrément la SSR, qui ait une espèce de centralisation du mandat ? Comme le disait Bettina, il faudrait, pour que le miracle suisse se produise, qu'il y ait une rédaction nationale. Pourquoi on a des rédactions régionales ? Parce qu'on a des unités d'entreprise régionales. Ces unités d'entreprise ont un budget séparé et ils doivent répondre à des objectifs de performance indépendamment les uns des autres et rapportés à la SSR. Donc je pense que, par exemple, à la RTS, Gilles Marchand doit faire une audience avec les investissements de la fiction sur son territoire régional pour pouvoir justifier de son budget à la fin de l'année. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc si l'argent vient de la SSR et qu'il y a des interlocuteurs à la SSR à Berne qui nous donnent le mandat, je pense que ça va changer un petit peu la manière d'envisager l'écriture d'une série. Qu'en pense Fulvio Bernasconi à ce propos ? Parce qu'on peut imaginer parfois, peut-être pas toujours, mais parfois des séries qui sont de mandat national, si on peut dire. Oui, donc je apparemment me contredire, mais oui, moi j'ai quoi, je vais juste rajouter une petite précision. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que la direction générale de la télévision suisse, de SSR, n'a pas le droit de diffuser des choses, ne peut pas créer et diffuser des choses. C'est les unités d'entreprise. Donc c'est aussi. Non, mais c'est important parce que. Enfin, ils ont assez de juristes pour trouver le truc. Oui, non, mais c'est quand même. On vit dans des temps compliqués pour la SSR en Suisse. Bon, cela dit. Non, moi j'y crois. Mais même sur un plan plus créatif que simplement la question SSR. Oui, oui. Voilà. Non, mais tout à fait. Non, mais moi, j'y crois. Autrement, je ne serais pas allé passer 3 jours, qui est très agréable par rapport avec 3 personnes ici. Non, mais j'y crois, mais je pense effectivement, comme disait un peu Pierre-Adrien, qu'il faut, à mon avis, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'il y a des sujets et il y a une manière de les traiter qui probablement peut fonctionner au niveau national. Comme et moi, je pense comme que... Quoi? Ben moi, je pense que cette série des Schweizer, les Suisses, est un bon exemple. Ce n'est pas de la série au sens strict, ce n'est même pas de la fiction au sens strict du terme, mais c'est quelque chose qui a fonctionné partout, qui est, à mon avis, intéressante, avec des limites, mais intéressante. Et moi, je pense, c'est un peu mon fantasme, mon désir, moi, je pense que nous, en Suisse, on a très peu d'images en mouvement de notre histoire. Contrairement aux grands pays,
l'Italie, par exemple, qui a des images fabriquées de fiction depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Nous, on a très peu ça. Et moi, je pense que je peux imaginer que le public suisse aimerait bien voir un peu l'histoire de son pays, les images de l'histoire de notre pays, qui sont rares. Donc, si vous voulez une opinion un peu qui est très personnelle, mais moi personnellement, je crois que travailler sur l'histoire, sur notre histoire commune, sur le passé, est quelque chose qui peut fonctionner pour tous les Suisses, même pour les Tessinois, éventuellement. Peut-être une petite question à Bettina Perli, comme vous êtes, vous venez, merci d'être venue précisément de la lointaine Suisse alémanique. Au niveau du public, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un intérêt pour ce qui viendrait de Suisse romande, ou finalement, comme disait Fulvio, on se connaît, mais on ne se connaît pas vraiment, puis finalement, on préfère à la limite regarder une série danoise que quelque chose qui viendrait de Suisse romande. Est-ce qu'il y aurait un intérêt, ou finalement, c'est presque trop évident, puis... J'en sais pas trop. Je ne connais pas vraiment les chiffres et tout ça, mais au fond, je m'intéresse beaucoup pour la Romandie et les Français. Mais je crois que je vais même faire un film fiction en français. Mon prochain long métrage va être en français. Mais je crois que vraiment c'est une exception. C'est comme tu as dit au début aussi, c'est assez divisé. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui regardent à Zurich, qui regardent la RTS. Et vice versa, ouais, je crois. Même ouais, ça moi, dans l'autre sens même non moi. Plus. Hein, ouais. Et aussi, j'ai regardé le Station Horizon. Et c'était intéressant, ça marchait en Suisse alémanique à Zurich. Oui, mais après. Non, sur la chaîne alémanique, sur SRF. Oui. Micro, Fulvio. En Suisse alémanique, la série était doublée en allemand puis en italien. Elle a été diffusée en Suisse alémanique sur une case vraiment différente sur la SF2 à 11h du soir. Elle a fait évidemment des moins bonnes audiences que le prime time qu'on a eu sur la RTS. Et pour la partie tessinoise, on n'a pas encore les chiffres. En tout cas, moi, je ne les ai pas reçus. Donc, je serais curieux de voir. Mais est-ce que vous avez eu quelques échos pendant ou après la diffusion? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des critiques de mes collègues journalistes ou de... Vous avez eu en Suisse alémanique, oui. Est-ce que vous avez eu des avis sur votre série? C'est intéressant de voir que la sortie d'une série qui se fait en fait successivement en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne, elle se fait. Il y a un engouement. On investit dans la communication sur le territoire régional d'origine. Donc, on passe des trailers sur RTS. Les journalistes s'enthousiasment. Il y a des articles, il y a de la radio, il y a de la presse, etc. Puis ensuite, comme c'est passé, on passe dans une autre région, ben c'est un produit de seconde main, en fait, que l'autre unité d'entreprise reçoit. Et du coup, ils investissent. Et comme ils n'ont pas investi de l'argent de leur unité d'entreprise, ben ils ne le soutiennent pas de la même manière que l'unité d'entreprise d'origine. C'est comme si c'était une série achetée. Oui, exactement. Et même, ils n'ont même pas besoin de l'acheter. Mais c'est intéressant, parce que moi j'ai regardé Original, et après... On en avait parlé, j'ai commencé à regarder un épisode qui était doublé. Ouais. Et moi, je crois que ça a vraiment détruit un truc, détruit un peu la charme de C'est le grand sujet du doublage. Ouais. Après, je pense qu'ils ont, on va dire, on est dans une culture dans laquelle il y a encore beaucoup de gens qui regardent des films et des séries doublées. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on double, je pense, à part les Italiens, parfois ils doublent des films américains, c'est mieux que le film original. Je pense que c'est l'exception, parce qu'ils ont un énorme talent de doubleur. Mais oui, je pense que c'est, on prend la moitié du travail de l'acteur, qui est son travail de diction, d'intonation, de prononciation, et on le remplace par quelqu'un qui n'a pas joué sur le tournage, qui n'a pas endossé le rôle, etc. Pilar avait juste une petite réaction. Voilà, je vous vole juste le micro une seconde. Oui, je voulais rebondir un peu à ce mandat des séries nationales. Uh-huh. Parce que
ça a rapport avec ce qu'on parle là, c'est l'impression que, bon, en préparant cette chalet session, s'appelait, hein, ils sont invités en fait différents scénaristes de toutes les régions, et l'idée c'était de passer 3 jours à essayer de créer quelque chose ensemble. Finalement, j'ai pas pu participer, j'avais beaucoup de choses à rendre, j'avais pas le temps. Mais ça m'a surpris que dans l'invitation et la discussion avec tous les gens, il n'y avait pas de mandat. C'était, écoutez, venez, on vous accueille et amenez des idées. Mais moi, je me souviens d'avoir posé la question, mais qu'est-ce que vous voulez, vous ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Et rien n'est défini, rien n'était défini. Et c'est comme, l'impression, c'est que chaque région travaille de son côté en isolation complète. La preuve est, justement, ce que tu dis, on fait une série ici, qu'on n'a aucune idée de ce qui va passer de l'autre côté. Aucune région s'est dit, bon voilà, nous on veut ça, et vous voulez quoi ? Et on définit un cadre, bon voilà, on va faire un immeuble, on va faire une villa, on va faire... Voilà, c'est comme une commande à laquelle on répond tous. Et rien de ça n'est défini. Donc, on reste dans une situation très passive. Et voilà. Je pense que les choses prennent du temps. On est en Suisse. On a besoin de prendre le temps. On doit se rencontrer. Et je pense que la SSR, moi, j'en ai parlé avec nos interlocuteurs. Et c'était même une volonté de leur part de commencer à se poser la question ensemble avant de définir le mandat, en fait. Donc, c'est une approche. Voilà. OK. Alors, nous avons un petit moment pour vous. Alors, saisissez-le. Quelques minutes pour des questions de votre part. Il y a donc un micro qui est prêt ou qui va être... Voilà, on le prend comme ça. Qui voudrait saisir la balle au bon pour peut-être donner la recette de la série nationale à venir ? Je n'ai pas du tout envie de donner la recette d'une série nationale. Tant pis. J'ai envie de savoir pourquoi on cherche à faire des séries nationales. Et quels sont les farfelus qui essayent de faire ça ? Il vaut quand même beaucoup mieux travailler en francophone avec des Belges et des Français, avec des Allemands, des Suisses alémaniques, avec des Italiens au Tessin, que d'essayer de faire cette mixture qui n'a aucun sens. Parce que c'est vrai qu'au fond, il y a les deux choses. Soit on se dit, on essaie de faire vraiment très très bon dans nos régions, et puis ça marche. Après tout, les Danois, ils n'ont pas essayé de faire allemand. Bon, ils n'ont pas... Hein, voilà. Donc, bon, ils sont seuls aussi, c'est vrai. Non, mais voilà. Où on est dans cette logique, on a malheureusement beaucoup... Enfin, malheureusement, c'est un fait, hein, beaucoup cité la SSR, mais le fait est que c'est un interlocuteur relativement difficilement contournable. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train, vous aussi, de vous laisser un peu embarquer dans un truc qui serait peut-être un peu usine à gaz, au lieu de se dire, bah, faisons des bons trucs chez nous. Et puis, en principe, quand c'est bon chez nous, ça marche aussi ailleurs. On le constate tous les jours. Pour donner un avis là-dessus, je pense que une série nationale, elle est pertinente si le sujet l'est. Donc, la dimension du financement, elle devrait idéalement... Un sujet qui a une portée nationale devrait pouvoir trouver un interlocuteur qui rassemble les 3 unités d'entreprise, mais seulement un sujet qui en vaut la peine. Aujourd'hui, si on a un sujet comme tel... on a un interlocuteur régional. Et c'est donc peut-être ça la réponse, c'est que demain, on doit pouvoir avoir un guichet, si demain on a un sujet national ou qui fait du sens pour adresser les trois publics, alors qu'on puisse adresser un fonds, un guichet, etc. Le sujet plus que la démarche, au fond. Mais enfin, d'abord, très brièvement, pour pouvoir prendre une autre. Non, brièvement, mais parce que... Parce que je pense que le mandat de la SSR, c'est aussi de contribuer à l'unité de ce pays. Je ne sais pas, moi, c'est peut-être un peu naïf, mais je crois quand même que c'est pas mal de rester ensemble dans l'État-nation qui est la Suisse. Et la culture y contribue. Et si vous voulez... Voilà, donc c'est un peu naïf comme question, mais je pense que c'est pas mal de temps en temps de se retrouver, mais comme disait Pierre-Adrien, dans quelque chose qui a un sens pour tout le monde. Mais moi, très court, il n'y a pas seulement ça, c'est aussi que, je pense, une série nationale a une portée internationale. C'est-à-dire, c'est une série qui est vue par une quantité de millions de gens, elle se vend beaucoup mieux à l'étranger et ça positionne la Suisse. Quand on a une petite série suisse romande qui est vue par un pourcentage très petit des gens, etc., ça va nulle part, ça voyage avec beaucoup plus de difficultés. Et je pense que ça, c'est un intérêt pour nous tous. Voilà, autre question ou remarque ? Ouais. D'accord pour l'unité nationale.
bis. Mais qui commence par d'autres choses. Je veux dire, on n'a pas besoin de mettre au niveau des séries où il y a tout à apprendre un truc national qui n'y aura jamais d'accord, puis c'est fini. Le côté national, c'est aussi qu'on s'intéresse à la Suisse alémanique dans tel journal. Oui, non, tout voilà, à fait, je suis d'accord, mais il faut quand même, la culture, c'est un peu un réseau, on peut un peu se comprendre, et pour établir ce réseau, il faut un peu avoir un patrimoine commun, et je ne sais pas, je pense que, bon, on dit souvent qu'en Italie, l'Italie s'est créée dans les années 50 avec la télévision, parce qu'avant, les gens parlaient 347 langues différentes, et la télévision a créé l'unité nationale, donc ça contribue à faire en sorte que le pays existe. Donc, pourquoi pas la série nationale, c'est une production culturelle comme une autre, je pense. Alors, bon, juste alors pour arriver à notre conclusion, alors si l'idée, effectivement, c'est finalement plutôt que d'être dans la démarche, mais d'être sur la thématique, alors peut-être, alors très brièvement, chacun d'entre vous, en deux, trois mots, quelle thématique pour une série nationale? Quel thème? Quel sujet? Alors, Pierre-Adrien, c'est vous qui avez allumé la mèche, donc allez-y, faites sauter la bombe. Pour regarder des dénominateurs communs, moi j'irais regarder dans l'histoire suisse, on a des chapitres de notre histoire qui n'ont pas été exploités, comme l'a dit Fulvio, à l'écran. Il y a des scandales, on est des spécialistes pour les scandales politiques. Il y a eu le scandale Kadhafi, mais il y a aussi eu le scandale des fiches, plutôt dans l'histoire. Il y a eu la P26, l'armée secrète du renseignement suisse. Il y a un certain nombre de sujets qu'on peut traiter avec plus ou moins de comédie aussi, et plus ou moins de pertinence. Donc j'irai chercher dans ce sens-là. Fulvio, sujet national. Oui, j'ai déjà répondu en partie, et en fait, je pourrais dire la même chose que Pierre-Adrien, c'est notre histoire. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des facettes de nos histoires que j'aimerais bien voir à l'écran. Quoi. Bettina, qu'est-ce qui vous inspirerait de pouvoir intéresser tout le pays? Moi, j'irais plutôt pour les sujets actuels. Et ce qui m'intéresse profondément, c'est le conflit dans notre pays entre être une société humaniste qui a une longue culture humanisme et en même temps on est, je crois, les meilleurs du monde qui savent comment profiter des plus pauvres. Et ce conflit, ça m'intéresse. Mais je ne sais pas si c'est un sujet pour la télévision. Et on ne sait jamais. Pour le service public, ça peut les intéresser. Pilar, vous étiez la première à parler, vous serez la dernière. Le sujet qui intéresserait, vous allez nous dire l'hôtellerie dans les Alpes au début du siècle. Mais à part ça, quel pourrait être le sujet qui intéresserait l'ensemble du pays? Je ne sais pas si ça peut intéresser l'ensemble du pays, mais ce qui à moi m'intéresserait, c'est un personnage, commencer avec quelqu'un, c'est l'histoire de quelqu'un, et montrer en quoi la Suisse est, et il a des choses remarquables aussi. Donc c'est vraiment, moi j'ai envie de faire l'histoire de quelqu'un. Bon, j'ai déjà une idée en fait hein, par rapport à ça. Mais l'histoire de quelqu'un. Non, mais je. Ça reste. Quelqu'un, secret. C'est un peu général. C'est l'histoire d'un personnage suisse, un personnage public suisse, qui a mené la Suisse plus loin de où elle est aujourd'hui. C'est ça. C'est une histoire plutôt positive de la Suisse. D'accord. J'ai envie de raconter ça. Nous aurons une série sur Adolf Ogi bientôt. Par Pilar. Voilà, merci. Série suisse nationale. C'est un personnage historique. Nous commencerons la future série suisse nationale par être à l'heure, puisque nous avions un cahier des charges très précis au niveau horaire. Nous sommes donc pile à l'heure. On se retrouve dans 15 minutes pour la partie internationale.
Non, ça va. Non, c'est bon. Non, c'est rigolo. J'ai jamais fait avec un truc comme ça. Ouais, marrant. Ouais, c'est ça. Maintenant, je suis une star. Ouais. Mais c'est vrai que ça, en fait, ça gratte pas, mais ça chatouille un peu. Ramener sur terre. Ah, c'est ça. D'accord. C'est bon, merci. Ok. Ouais. Ah oui, pardon, voilà, je refais un test. Ah bah ça, oui, ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Papapap, bonjour, alors papapam, et je parle ici, et je parle là, c'est super, c'est pas trop fort, c'est super, quand on parle pas trop fort, et si on parle un petit peu à haute et intelligible voix, very practical question, but how do you pronounce your last name? Petzl. Petzl. Okay. It's a sort of British name, or there is some... German. Really? Uh-huh. Yeah. My dad's German. Uh-huh. Yeah. Sadly, I don't speak German. I was cheated out of bilingualism. Yeah, it's a sort of made-up name. Yes, very softly. Oh, yes. Oh, now I have a mic. How are you doing? Good, very good. Cool. Yeah. It seems like the connection is okay. Good. Cool. So, can you hear the translator or not? Softly. Okay. But then maybe we can raise the That's volume. Good. But whatever you're doing now. I'll be whispering rather, but is it better?
Yeah, that level is good. And now, can you hear me? Yep. Awesome. So basically, you'll get the live English, and then when somebody will speak in French, you'll get the translation from English. Great. In English, sorry. So hi, Jim. Hello. Do you listen to me? I will ask the questions during the discussion. I'm Nicholas. Okay. Nice to meet you. Thank you to be with us. Yeah, thank you. I'm going to close the door here. One second. Yeah, okay. Il y a de nouveau un petit adresse, un petit truc là. Oui. Ouais, d'accord. Okay. Ah oui, donc c'est ça. Ok, comme tout à l'heure, quoi. D'accord. Okay. So we will be invited to go on stage at the beginning. Yeah. C'est bon, ça marche pour le... Jim, can you hear me? Yeah. Yeah. So you'll be with Abdel Raouf Dafri, who's a French writer, and Sophie Petzold, who's an English writer. Okay. And then Nicolas Dufour will be moderating the talk. He's a Swiss journalist. Great. In case you didn't have the chance to look at the program. Yeah. Thanks. So we should be ready in any minute now, so we'll slowly let the people come in. Canal Sundance. Ah oui, je connais cette série, c'est un tandem de flics. Oui. C'est très violent. Ouais, très violent et très drôle. Enfin, c'est un mix entre l'arme fatale et puis c'est du buddy movie, mais avec beaucoup de violence. C'est, ouais, c'est l'acteur noir, c'est celui qui jouait Omar dans The Wire. Ah voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Qui est un putain d'acteur. Qui jouait aussi dans Bordeaux Campire. Ouais. Thank you.
you said that the, you know, some kind. Donc, rebonjour. Merci d'être restés à ceux qui sont arrivés de nous avoir rejoints. Donc, va débuter tout prochainement la deuxième partie de notre panel consacré aux séries télé, donc SERIES STORYWORLD, au monde de la narration. Je vous préviens tout de suite qu'on a un intervenant qui a dû annuler sa venue à Neuchâtel. Par conséquent, il sera avec nous, mais à distance via Skype. Donc, il y aura peut-être des légères latences et quelques attentes dans les échanges, mais tout va fonctionner, croyez-nous. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais inviter à monter sur scène les différents intervenants de cette conférence. Donc tout d'abord, Sophie Petzal. Donc Sophie Petzal. Scénariste qui nous vient d'Angleterre. Abdel Raouf Dafri. Scénariste lui aussi qui nous vient de France. Et enfin le modérateur donc, qui va venir animer cette discussion, Nicolas Dufour, journaliste du Temps. Et avec nous également, avec nous depuis Skype, donc depuis New York, Jim Mickle. Merci. Thank you, Jim, to be with us with a, you know, a few kilometers of distance, but it's not a problem, I hope. No, thank you for having me.
Nous étions, donc les propos seront traduits évidemment à nos invités, à Sophie et à Jim. Et bien entendu, là aussi, vous aurez un petit moment pour des questions, donc n'hésitez pas, y compris donc du coup en français, ce qui simplifiera un peu les choses. La thématique était, vous l'avez senti, un petit peu sensible au niveau de cette hypothèse de la série nationale en Suisse dans la première partie. Nous ouvrons maintenant la fenêtre sur le plus grand large au niveau géographique, Grande-Bretagne, France, États-Unis. Alors j'ai envie de commencer à la fois comme ça, nous serons rodés sur le plan technique, et puis aussi pour lui dire bonjour, avec Jim Mickle. Jim Mickle, adaptation of a famous novel, Hap and Leonard, which is quite well known series here. Jim, what gave you, made you feel like going, opting for a TV series? Not superhero films or that sort of thing. And I think television gives you that opportunity to dive into characters in a deeper way or nuanced way. And in this case, we got to do that with this. This is a very character-based story. You get to spend a lot of time with these characters, these two guys. I don't know, TV just gives you a better opportunity. Mais est-ce que vous pensez, comme est-ce que vous avez des projets de long métrage par ailleurs? Est-ce que vous pensez revenir quand même? Ou parce que là, on vous sent un petit peu pessimiste par rapport au cinéma. Est-ce que vous voulez quand même y revenir? No, I think ideally I get to do both. That would be the best end game. I'm doing now actually. Another film while I'm actually doing this, working on this. So I'll always be in there. But I think television is, I feel like television is where filmmaking was in the mid-90s when you had Sundance films and independent films, all these new sort of rules being broken and just new ways to distribute. You know, it's very exciting. It was kind of a Wild West at the time. I feel like we're seeing that a little bit in television right now. It's constantly being refined, constantly being in different directions. And I think film. Quelques petites saccades de bande. On va laisser la bande passer, entreprendre un peu sa possibilité. Et du coup. We'll be hearing you a bit better. I'm turning towards Sophie Petzl from UK. You are working on several TV series, several projects, among others The Last Kingdom. And currently, you joined the team of Wolf Blood, which is a huge success of teenagers. You've been working with Americans too, but about the situation in UK, could you tell us something? Because the Brits have a long tradition in TV series, so do you have your own style, and it's a bit a privilege for UK because you have maybe more budget for TV series, etc.
sorry, could you repeat the last bit of that question? Vous pourriez répéter la dernière partie de votre question, s'il vous plaît. Vous êtes passé, vous avez travaillé sur un certain nombre. Is there a very special way that the Brits have to make a TV series in comparison with what Jim has just said, for instance? I don't know if there's any unique sort of British outlook in terms of what we think, like what we want to tell stories about. I think, I mean, what I do really like about working in the UK, even though I've been working on a lot of international projects most recently, is that there's a diverse palette, and because we're a lot of writers, and I write episodes of other people's shows, and that's how we sort of make our bread and butter in the UK, is that you get to work on all sorts of different things. Mm-hmm. And so from shows such as The Last Kingdom, which is a period drama, medieval history, through to Wolf Blood, which is a teenage sci-fi. For us, the big thing is always just finding a story that has some sort of relevant emotional bearing, finding a story that's unique and new and hasn't really been told before from characters' perspectives that we aren't so familiar with. And, you know, of course, we're kind of constrained by the same issues, I think, as a friend says in the States as well, that you're up against tent poles now. There's more pressure, I think, to develop pre-understood materials, develop series based on pre-existing properties that already have an attached audience. But still, I don't know the exact number or the statistic, but it's something I apologize if it's not entirely true, but there's something I'm told quite a lot back home, that the majority of our developments are still original materials. And for me, that's something that's very, like, as someone who prefers to work on, the ideas that I develop, the projects that are mine, are originals and they're not adaptations. But the episodes of shows that I've worked on have been largely adaptations. Stuff like for children, we have The Dumping Ground, Hetty Feather. They're based on pre-existing properties. The Last Kingdom is based on a book. Medici is not based on books, but it's historical fiction. And so, you know, while we are working, we do have a lot of adaptations, and we do have a lot of books and properties. Our original developments are still, by majority, original properties, and we still, to a degree, and it's something that I really cling to and I'm very passionate about, value the original ideas of working TV writers in Britain, and that's something I'll cling to. Dans le cas de Wolf Blood. The case of Wolf Blood, you mentioned this genre is a huge success currently, sci-fi, fantastic. For teenagers, because it is a success, I suppose there is a lot of competition. So, you between writers, do you inspire each other, or do you feel pressure from the broadcasters pushing you to be more and more original? Because I suppose you are evolving in a field where there is a lot of competition. No, I mean, certainly the more work that I've been doing, I think my perspective is quite idiosyncratic, in the sense that I started quite young and I started quite fast, and all that I've really worked out, I've been working about 4 years, 4 or 5 years professionally as a writer in the UK, that the more you do, the more of a reputation you build up, the more prolific the work that you're involved in, the more they're after you and your voice and what you want to talk about. And I think it's because I've only been experiencing it so quickly that I remember quite clearly 2 or 3 years ago being asked, where's your girls? You know, where's your, you know, what do you remind me of? You're young and a female. Like, you must be someone who does another show like a young female. Whereas the more you become an individual in their eyes, the more you become unique and, you know, relatively prolific, the more then they start to go, what's a you show?
What do you give us? And you know, there's some cynicism to that, but on the other hand, marketing-wise, finance-wise, you kind of understand it. But for me, the optimism in that is at least I am being asked, what is my take on the world? And I think certainly at the moment, and given the ever-changing and particularly volatile political landscape in the UK at the moment, there's quite a thirst for a take. What's your opinion? I think we've been guilty possibly of some relatively unopinionated drama in the past few years, and you know, we have shows coming out of the USA like Show Me a Hero or Treme, and shows that are very political and very angry, and we don't do an awful lot of that, and I think that's starting to change. Like, you go into meetings now and people ask you, what's your State of the Nation show? What's your opinion? What do you want to do? What can only you do? And for me, I feel we're not competing with one another to be the most successful, I don't think, and certainly, you know, my experience of working with other writers in the UK is that we're quite a nervy and friendly bunch who see ourselves as friends and everyone else as the enemy. Yeah. But certainly, no. I think there's less of a competition to be the most, you know, out there and unique, and more searching for the what do you as an individual writer have to offer? And that's why for me, I can't feel competitive really. With other writers, you know, of course you can envy someone's success in a rather petty juvenile way, but really it's like their project, that's something that only if it's good, that's because it could have only come from them, and something that's good from me could have only, it's good because it could only have come from me, and there's a huge value in our voice and in our opinions, at least you'd hope that there should be, and that should be encouraged from writers particularly now, and there is more of a sense of that, I feel, just in my own experience back home, which is interesting to me. Avant de venir à Abdel, before turning towards Abdel, I have a question for Jim. Sophie just mentioned some adapted projects. You adapted a novel by Joe Lansdale for your first TV series project. You think it was a big advantage? Yes and no. You know, we're right now working on season two, and I think realizing that a lot of times it's easy to follow what's been set up before. That can paint you in a lot of corners, and books aren't TV shows, and TV shows aren't movies, and books aren't movies, and you can easily, I think, get hung up on that. So I think what we're trying to really develop this season is to take the essence and take the big pieces and find new ways to weave those things together in a way. I think it was easier to do on a movie because the novel lends itself a little bit more easily. In this case, these are stories that they would make better movies, in a sense, more tightly. And our job is to then be able to fill that with a lot more depth, I guess. Make things a lot more complex, but in a way that really makes sense to these characters. So it's a fun challenge, and it's a new challenge. But sometimes wish that we're working on it with here, and not this one. Abdel Raouf Dafri. You are a monument of the French TV series world. You have written La Commune for Canal Plus. It was the beginning of Canal Plus Adventure. That channel wanted to change the values going in a new direction. And La Commune, indeed, was a very, very different project. Then you wrote Braco. We will be discovering in autumn the fourth and last season of it. Do you think this change, you also contributed as a writer, has been followed by others in France? The French system so far, because our country is very different from UK or from the United States. Because in France, among movie people,
there was a kind of distaste for a TV. And there is a kind of love-hatred relationship in the movie industry. You have the people living in castles, and we are the poor. But Canal Plus changed this, that's right. You mentioned La Commune, the first series I wrote. At that time, we were still trying our first initiatives, and we were trying to understand what was TV as a medium. And of course, in a TV series, if you don't have audience, they will stop your project. In parallel, I was doing three different projects, movies, but then they asked me to finish the season two of Braco, because the writer couldn't go on working on it. And when I joined that team, as Sophie said, I appreciated the individuality. Buschreiter, a taxi driver, The Last Temptation of Jesus Christ, who worked with Scorsese, in a system where you have so many writers, where the studios will ask you to be a kind of a secretary. The only way you can contribute is to be original. And that's what I did when I started working on Braco. Now a change has taken place, because you have more and more French directors who would like to do TV series. Jim Mickle was saying, well, he are a superhero, dramas are very popular in France. We can only make comedies, because that's what they ask, and that's what the announcers ask, because families gather around comedies, and you can sell your advertising at higher prices. So the TV channel doesn't want really they don't care if it's even if it's stupid, because they know they will be able to sell it. My next movie about the war in Algeria, the civil war in Algeria, will be much, much more difficult to sell for a TV channel. But you said has been a change. Directors, movie directors want to make TV series. Yes, Canal Plus changed the rules of the game, because on the French TV, TF1 included, realized that it can be bringing some money, so they should start doing TV series too. But if you take France Télévisions, it's a joke, but not quite. Let's take Broadchurch, broadcasted on France Télévisions, and was a huge success among the audience, with 8 million watchers. But if it had been initially a French project, it would never have been bought by France Télévisions. It was because it was coming from a famous foreign person, touching delicate matters, as like pedophilia, etc. And they decided to make a remake of Broadchurch, but not thinking of doing something original. And it was shit. It was complete shit. Good. You said it in plain words. On this topic, I turn towards Sophie. In UK, you have a wonderful tradition of TV series. Despite of what, we observe a fascination of Arrow films. People are very, very curious in UK for
foreign TV series, among others, coming from Denmark or even France. Braco, for instance, is being watched and appreciated, liked in UK. Is it changing, rocking the boat a bit or not? I think it is, certainly in terms of audience habits and what the audiences are really responding to. And similarly, I think, to what Abdullah was saying about France's reaction to Broadchurch. And this is not an entirely educated opinion. I'm not responsible for making these kinds of decisions. I'm just going to the room, pitching things, and seeing how people react to them. I feel once The Killing, the Danish original version of The Killing, was broadcast in the UK on one of our weird indie backwater channels, BBC4, it was this mega hit, an absolute sensation, and not just because it was sophisticated and because it was different and in another language set in another country, but because it was sort of revolutionizing crime and in crime as a series. And until that point, we were still, we'd had great kind of exceptions to this rule. We'd had you know, a number of shows where we weren't just doing that standard policier and following the cops as they solve the crime, but The Killing had, you know, was so focused on the victims and the victims' family, and that if it really humanized it, and you had a central police figure who was incredibly human and incredibly flawed, and the whole thing was so very, very dark and very serialized, and we were quite used to, you know, crime of the week. At that point, we have a different crime every week, and we're not following one killing from beginning to end as much. I'm sure there'd be an older, more experienced writer who'd go like, oh, what about this, and what about this in 1976, or whatever, but from my experience, I hadn't seen anything like that. And then, because that was such a hit, in came more international drama. We now have a whole I don't really know what to call it. It's sort of like a curated set of series that goes on to like Channel 4, called Walter Presents, where somebody in Channel 4 selects the top 5 or 6 international dramas from across the world and puts them on 4OD, which is like an online streaming service, or Channel 4. And so the appetite for international drama has really grown. And I think it's changed things for us, not just because British viewers are now more accustomed to watching things with subtitles and feeling comfortable with that, but because we are being shown other ways of making drama. And I think, you know, our perhaps arrogance of, we make television, don't you know, and we've been doing this for hundreds of years, and the fact that we were the only people who could really do it properly, you see that everyone else, you know, much smaller populations are doing it as well, if not better, and it keeps us competitive. And so I'm loving it when the more international drama we're seeing, A, because it's more box sets for me to watch and procrastinate over, B, because it keeps us competitive. And it also, as a writer, you're freed and this is quite depressing, I think, and if I were big and famous, perhaps I could, you know, dictate patterns a bit more, but as someone who's still comparatively new, it frees me up hugely when you see something being done differently and it being done well and it being well received or a success. You can then come in with your ambitious, adventurous idea and say, well, look, it worked there. And when it's all just coming from the same pool of people in the same country, you tend to just stagnate or kind of rest on your laurels a bit. So I think seeing all this stuff coming, Braco, Spiral, and I know they all have different names, I think, in their different languages, but The Border, Spin, The Killing, The Bridge, they've been these huge, you know, successes, and you just have to read Variety now to see that Amazon and Netflix are coming in on their own co-pros with Canal Plus, or I think there's something called The Borderland coming, Marseille was I think a Canal Plus Netflix, that might be completely wrong, but that we're doing a lot more like international drama is kind of the it thing right now, and all of us sort of international, I think, because I don't, you know, just from a character perspective and from your story perspective, there's a huge universality to like the human experience, and we can all empathize and understand one another and yet still have these idiosyncratic stories that could only come from these people, perhaps in these countries and under these, you know, whether it's a political drama like Borgen, which is so different to ours that we watch out of fascination for the procedure of it, or a show like Spiral, where the French judicial system is very different to ours and we watch out of the fascination of the newness of it, but then relate to the characters and are shocked by the twists and turns. And so I'm
I think it's been a huge influence for us. And you just have to look at the drama we're making now, and it all looks like The Killing. So it's great. Jim, in the United States, of course, you have also a huge tradition and a huge production, national production of TV series. But on your behalf, at the personal level, did you inspire yourself of what other countries were doing? Netflix promoted the returns, for instance. So is there an international opening or not? I think there is. And I agree with everything you just said about being inspired by international productions, and the fact that that lets you open up. When you see it done well, and I think Broadchurch is an example of something that's great and not translated well, didn't work. The Bridge is something that I was obsessed with, and yet that came to America, that didn't quite work. But again, I think for me, it was shows like Utopia, which actually hasn't come out in the US yet, but shows like that, Luther, Happy Valley, also the ability to do really tight, I think we tend to take a good idea and just stretch it out, you know, until it kills it. You know, I love this sort of tight, cohesive six episode thing that the UK does so well. We've been lucky to do that here. I think that's starting to change a little bit, and six episodes is becoming a little bit more the norm here in the US. So we did that, for example. But I completely agree. I mean, I think there's a lot of really terrible television in the US, and it's nice to see there are avenues with Netflix and Amazon where you can start to see things from other countries, and it works. The first season of Happ and Leonard, if I'm not mistaken, was of six episodes, which is quite original in the TV panorama. Was it difficult to sell? No, they wanted that, actually. In fact, their second season, we wanted to push for 8 or 10 episodes, but they wanted six. I don't know all the business end of it and why that works, and I'm sure it has to do with foreign sales and minimum this and minimum that. I think that's something AMC is doing more of. We're technically under the AMC umbrella, and I think that was something that they did with Breaking Bad and a couple other shows, was starting with six and then letting that grow from there. It's good. It can be tough, you know, because it's tough to set something up and explore it and then stick landing into six episodes. But it also, I think, really keeps you focused in a good way. I think a lot of shows hit that 10-episode mark, I think, especially in the U.S., and you start to see it really fade or tread water for a couple episodes. So, unfortunately, I don't think we've hit that period yet. Abdel, along the years and along the projects you worked on, but especially Braco, were you able to win something compared to the more difficult situation in the past? I mean, did you win some freedom, bigger budgets per episode, for instance? Well, freedom as a writer, I must say, with Canal Plus, I was free from the beginning because they wanted to hire special personalities, and they were letting us express ourselves. When I arrived on Braco project, it was delicate because all the previous writers had been fired and had consumed the budget, and I had fewer choices and many constraints. I was finishing an episode, writing the next one, and we were improvising a lot. But in the end, the series was a success, and we won an international Emmy Award. It's a fucking joke. So we couldn't believe it. It was so. We didn't expect that for the way we did. And of course, it's always the same because you have success, you'll have even greater success. Because if I had failed,
they would have stopped and they would have done something else. You mentioned the returns. It's an adaptation of a movie by French producers of a series. But it was initially a low-budget movie. They made then season one, sold it in the States. The Americans made a remake that was completely identical, but it didn't work because the program was good thanks to the writers, the French who had. And for the next season, the following season, they made a mistake. They gave the audience exactly the same thing instead of taking risks and changing it. If you see season one, season two of Braco, it's two different planets. The atmosphere is completely different. I wanted to take the show somewhere else because I must say, honestly, that season one, I was not taking it very seriously. It was created by a next policeman with his traumas. I was never a policeman, and I'm not traumatized. Me, I grew up with the guys on the street, and I'm very different. So I wanted more space for trams, etc. And is it the same for season three, season four? Yeah, season two was a success again. Won the biggest award in France ever. Normally, the Brits are winning because they are so talented in TV series. We must recognize that. So I was enjoying such an aura that it made me credible. And the series had been sold in some 30 countries, but the following season was sold in 80 countries. And as a writer, I was allowed to make season three also as co-producer of the program. So success breeds success. In the States, there was a terrific series, Vinyl. Terence Wilter is one of the best writers, but it was not a success. The people didn't like it. And they gave up season two, and they fired Terence Winter, the showrunner, who's somebody. So it's always the same. If you are not successful, you are fired. Jim, in your career of 10 years in independent movie universe, you were used to your own team, a bit like in the theater. Were you able to keep some members of your team when working for a TV, which must be quite different? Could you keep some of your colleagues? Yeah, we were really lucky, actually. I was really lucky. We were able to bring our cinematographer, our production designer, our costume designer, our music composer, and even some of the actors that we've worked with before. So it felt very much like we were getting to do a independent film on a bigger scale. And I think that's rare because Sundance Network is very, they feel like the independent film network of television in the US. I don't think that would have happened at many other networks. Est-ce que dans la préparation de la série, pour votre déjà votre... For the preparation of the first season, but maybe even more for the second season, this international dimension, knowing that it will be seen abroad, do you take this into account or do you focus on the national market? I don't think we even think about that, to be honest. It's such a very specific, very regional story, you know? It's set in Texas, and it's set in a very specific little pocket of Texas. So I don't feel like it, I don't feel like that becomes something that we think about. I think that's a little bit more on the studio side of things, and we have thought about
You know, things that can energize and bring some youth to the program and things like that, because we killed off a lot of characters. But no, I think because it's such a very specific regional cultural story, we kind of stick to the books. Sophie, peut-être à ce propos. Sophie. Cette dimension internationale. This international dimension. For TV series that are no longer sold only on the national market. When you are writing, do you take this into account? I suppose you are submitted to pressure to have good sales internationally. When you are writing, are you submitted to pressures? Do you think of the international dimension at all? The answer is kind of twofold, I guess. No, in the sense that, kind of like what Jim says, when you're writing on a show, and if that show is not mine, and I've just even if it were, you're thinking about serving that story and those characters, and if it's connecting with an audience, and if it's already, and you know, because I'm not involved in any way with sales and business, and some of these shows are sold before they've even hit the air. So, you know, in that regard, there's nothing you can even do about it. You're just, there's just numbers and pitches. And sometimes they're sold to international markets two or three series later because they're hit in their own right, and because people are finding their own way to the shows by whatever means available to them. So no, like when I'm writing, I'm not thinking how is this going to appeal to as many people as possible, because usually what I found as a viewer as well as a writer is sometimes the more specific and the more idiosyncratic and the more engaging a show on its own level, the more interesting and appealing it is to me. Friday, I have no right nor reason to adore Friday Night Lights. I have no idea what it's like to live in small town Texas. I have no idea about any of the rules of American football. It just kind of feels like Warhammer to me. And I have no idea about, you know, what it's like to have a deep and meaningful faith. But I can't get enough of that show because, like I was talking about earlier, it's, you know, that universality of human experience, good storytelling, good engaging and evocative stories. And so I feel like if you've got a show, be it Happy Valley, which is set in a tiny town in Yorkshire. You know, I have friends from across the globe who have to watch it with subtitles on. I have friends in the UK who have to watch it with subtitles on because the accent is thick. But you know, that's not an internationally appealing show, but it is because it's compelling, and they have fantastic characters that we've not really seen before. And the fact that they are so idiosyncratic and so specific to that region is part of what makes it feel different and so engaging. Where I will consider it, and where I do consider it, is that, you know, for various perhaps cynical or rather boring reasons, like tax incentives to go and it's like countries like you to come and shoot in other locations and stuff. Sometimes, as when you're developing original material, sometimes someone will say to you, like, do you have anything that could be set in Malta, or do you have anything that could be set in, and you know, that's normally the kind of question that doesn't fill you with sort of imaginative like prowess, but sometimes it really does. And a lot of projects that I'm working on at the moment are shows that are not set in the UK, and it's made all the more interesting for it, because suddenly with those avenues opening up, not just because of boring like financial business economic reasons, but because we have such a great palette of international drama now that's accessible to all of us, it frees us up to think, well, you know, because it used to be you'd go into a meeting and you'd say, I have this idea for a show set in Sierra Leone, and the reaction would be, is there a British character? Are we going to understand? Are we going to care? Is the audience, like, our audience won't care. They won't know what that is. They won't be able to point it on a map. And now I'm asked that less and less, which, I mean, again, that's just my own experience. That's not necessarily indicative of an industry-wide culture change. But I feel like the fact that we have been opened up to so much more international drama means that people are far less, and certainly in my country, reticent to see shows set abroad and not be about us and about things that are familiar to us, which I think is only a good thing. And c'est positive. That's very interesting. Abdel, you were
nodding, but thinking yes and no. When Braco won internationally, included an Emmy award, were you not thinking that for the following episodes you were keeping in mind international sales? No. She's completely right. You shouldn't do that because, first, it was an accident. You had 7 months to finish the writing. And I remember that my agent, when I had lunch with him, he said, how are they going to do if you die now? They'll never finish the season. So it's luck. Huge luck. You don't really know what's going to appeal or not to the audience. In the 90s, the Fox made a survey in movie theaters asking, are you going to see a movie where Michael Douglas would play Indiana Jones and Kathleen Turner, who's looking for her sister? The audience said, no, never. But they made that movie. It was The Pursuit of the Green Diamond. So you have to be loyal to yourself. I had magnificent actors, a TV channel saying, you can do what you want, we have to trust you. And we won the Emmy Award. For me, it was a joke because I remembered in what conditions I had been working. But why not, you know? So beyond the ego advantage, I was seeing that I could be able to do whatever I want. And here we sold it in more than 100 countries. But when I was writing, I didn't think of that. I was only thinking of realism, I'm not a marketeer. Braco, has it been bought for a remake? Yes, quite. The United States bought the rights for a remake, but you know, they buy everything anyway. You don't know if they'll really make it. The Russians did buy it too, but it doesn't mean much. The Americans did to make a remake. We saw what happened with The Visitors or Broadchurch. As a viewer, me, I'm interested into cultures or places I don't know, like Texas or England. I'm not interested into the story of Broadchurch, but translated in the French culture. If globalization has one advantage, is to make us discover the other as his. Jim, a small question. We see producers in the United States start buying sometimes. They buy beforehand out of caution in order to prevent others to buy. But you will have several adaptations like The Killing or The Returns. So is there a competition now coming from abroad towards the national production? And do you think it will the international projects will take the place of good national projects? I don't know. I hope it does. But I do think you see that. I think there's a lot of, it's like a real estate thing, you know, and I think there's so many networks now and so much competition that I think you're seeing a lot of things getting picked up without knowing what to do with it, but knowing that they want that property in case it clicks or something works. But I think, I can't think of really a lot of examples where it has worked, and most it doesn't. And I think it's, what you guys are talking about, the cultural specificity is what makes it interesting and what gives it the extra flavor. And I think a lot of times when you take that and boil it down to something you're already familiar with, it doesn't quite work. Just to go back to the question earlier, with movies, that's not, you know, I haven't felt a need to
try to be broader or more global, the kind of stories we tell the characters with television, but that's not the case. Movies, you can be really aware with casting or setting. How do you make this appeal to it more broadly? But I think, I think what makes all of our work is being very specific to a culture and a tone and the kind of people and making that personal and unique, something that only you can do, whether that works or not. Okay, merci. On a une petite lacune là, mais enfin. Do you take advantage of the guests being present here in Neuchâtel? If somebody wants to take the floor in the audience, a mic will be circulating. Sir, you have the floor. Hello, I'm pleased to meet you. I do credits for TV series in France, and I'm submitted to a pressure from the broadcasters because in streaming I did Marseille, the credits, only the credits, I repeat, for Netflix. But at my small level, I see that constraints vary according to who's making the order and according to the audio. If it's a private channel, it's different. You've been working for Credit Plus and you were enjoying greater freedom than somebody working for France Télévisions. On the other hand, in UK it's different because even in the audience, I think the people welcome free tones. They want me to make the smallest credits on earth when I work for French television, and when I work for Netflix, they say, please, please enjoy yourself when you are preparing the credits. Do you have a different level of freedom according to for whom you work and who is making the order? Do you have more or less precise directives according to for whom you work? Me. Yes and no. I'm so often it can come down to the individual, the commissioning editor or the head of the channel. And obviously certain, in the UK, certain networks are subjected to different kinds of pressures. The BBC is a public broadcasting body that's under a great deal of pressure right now, from a government that would secretly sooner see it gone. And so while there's like an emotional, creative need for them, a desire for them to rebel and to exercise their freedom to criticize and to be bold and big, there's also the genuine and understandable fear that they will see serious repercussions from that, like in their charter renewal. So yes, so that there are, you feel the politics in the air sometimes when you're working for public broadcasting bodies, because they are not just there, they're not just there to make a ton of stuff that's going to make you happy, as though as like that's what I would love for them, and that's what I'd love, I'm sure most of the audiences would love. But so you even though I'm right at the bottom of that chain, right at the very, very bottom, and I'm not party to any of those discussions, you are aware of what you're of the politics that can be involved and the pressures that are put on networks like that, and that can. But still, I would say, when you look at the output from networks like the BBC, who aren't party to any, I don't want to use the term enslaved, who aren't beholden to shareholders, Happy Valley, Line of Duty, Luther, are creating some of the most exciting, most bold drama out there. So while yes, you can feel the politics and it can be difficult and there can be a lot of fear,
they by and large have their face to the government and their back to the writer. So they're protecting you and they're protecting your vision. And I think that's why we should sort of fall to our knees and thank them. You can, with other networks where they have, you know, you can feel it a bit more like you can work for a channel that has adverts. So they have shareholders and they have advertisers and they don't want you to necessarily, they mightn't want you to swear or they mightn't want you to talk about certain, but I'd say personally, I've never ever experienced it. I've never been told I can't do something. The only thing would be when I'm writing for kids, like a show like Wolf Blood is on a channel that's for under 14-year-olds. You can talk, you could literally do any subject you wanted. You just couldn't show certain things. You could and you couldn't say certain words. But even then, you know, people have died, people get shot, people get injured, people get hurt. The terrible things happen. You just have to deal with it in a more delicate way. So No, my feeling is that while you're aware of the politics sometimes, we actually have a good amount of freedom, I think. Sorry, that was long. Abdel, à ce propos. Alors, what about you? Yes, I understand this situation. My limitations as a French writer are related to violence. They are in connection with violence, because in France, violence is something American. And when they presented to the commission my project, we feared to be forbidden for under 16. But in the end, they decided the limit for under 12 for Braco. In season 4, I wanted to kill a child. It was interesting. I was told, don't touch children. This is typically French. The Brits make broad church, but in France, they think they don't have problems with pedophilia. Put a Kalashnikov in the hands of black and Arab French people, and it was 2012, a couple of years after, I must say, you know, in the suburbs, the guys were having these kind of weapons in the reality, and even at Canal Plus, they are ignorant of what's really happening outside. They live in ivory towers and they don't know what's happening in the suburbs. Some French producers never saw an unemployed guy. An unemployed guy for them is an artist who's waiting for his next project. They don't know what's a factory. They don't know what it is to live with 900 euros per month, living in subvention housing. They don't know. So me, I'm an immigrant's son. My parents were poor, and I have a completely different background. So they are surprised. So as far as morality is concerned, we have limitations. We will allow rather American violent programs because we are hypocrites. We tend to think that Americans are more violent than French. So it's really specific to violence. Yeah, for instance, season 4, we are showing a rape. And on Monday, I was in promotion with the journalists. One journalist said, the rape scene is unbearable. I answered, you wanted to have fun, to bear the scene better? You have to understand the movie culture. For instance, what we buy from Denmark. Danes are not hypocrites because it's a country where they are publishing very strong books, very strong fictions, and they are not afraid to face their own violence. We, in our society, we are afraid to face our own society's violence. This is why Braco is a bit atypical
compared to other programs. Compared to Spiral is more about specific mechanisms. It's less brutal. I've gone very far, but this is the reality of criminals in France. So we have budget constraints, of course. Even if Braco now has a big budget, we have 1,250,000 euros per episode, which is huge for us. We'll have to be careful. But on the other hand, you know, they are asking for strong scenes, etc. But outside Canal Plus, you have to know that France Télévisions, I will never work for TF1 anyway. This is Dark Vador for me. They are the devil. I'll never work for them. But France Télévisions, it's terrible. I'm French and I love my country. But it is the truth. If you have a strong ideal today and tomorrow you arrive with Dr. House, the same script. They'll be telling you, oh, the guy is arrogant, the guy is unfriendly, he's obnoxious. This is what makes the success of Dr. House. And they'll make a Dr. House that is appealing to everybody, and of course it will be rotten. So you want to take advantage of Jim's presence to ask a question in the audience or not? Maybe you don't have any questions left. So to conclude, there are some news elements that I would like to touch. Sophie, after almost 2 weeks of a very, very important vote in your country, personally, or for your industry, were you fearing this outcome or not? Oh boy. when I came out here, my agent was like, no, they're going to ask you about Brexit. Don't fucking say anything. it's great. Now, there are ultimately people who are, as much as our beloved Michael Gove dismisses the importance of experts, I would say that I would leave it to the experts as to what the outcome will be for our industry. My completely uneducated layman's take on it is that our relationships with other countries, our industry's relationships with European countries, you know, I'm working on two shows that are shooting abroad. One currently, one will start shooting at Christmas, one shooting in Hungary, the other shooting in Florence in Italy. And you know, from what I understand, our relationships with countries that allow us to come and shoot and you know, our relationships with countries for whom we allow to shoot in the UK, that's all about finance. That's all about, we make money from you shooting Star Wars and in our country, and you make money from us shooting a show in your country. And I suspect that the need for business is not going to dry up. However, the ease with which we'll be able to carry out that business strikes me as potentially incredibly difficult. And if we have, you know, our crews are not exclusively British. Like, we have crews, I've worked with some incredibly talented crews in the UK who are based in the UK, who have been working in the UK their entire lives, but who aren't UK citizens. What's their future? For my sense of the whole thing, again, it's a layman's sense on the whole thing. It's not educated, it's not informed, it's just, here's me looking at it as a writer and as a TV maker. And my thought on it is that it's depressing culturally. You know, this whole conversation has been about, you know, if globalization has this big benefit, it's that we are experiencing one another's stories and we're working together and we're all making one another better. Like, I feel like our industry in the last 5 or 6 years in the UK has skyrocketed because of the influence of international drama, and that we benefit from trade of skills, that some of the best DOPs and best camera crews I've ever worked with have come from overseas, and others would say the same of ours, and that we're able to, like, I can go and work wherever I want within the EU, and that's the kind of thing that could be potentially
stymied, and it's just, you know, I don't know. My sense on the whole thing is that we have no idea, that it could be absolutely fine, it could be awful, or it could be quite good. I'm sure there are people within the UK TV industry who reckon that we'll be able to do some magic money thing and we'll make more out of it, you know, but for me, the finance, the economy stuff, we've come through bad times before and we can come out of them. For me, it's the potential cultural damage that we could do to ourselves unwittingly, given we have gone to such great lengths to internationalize and to be better and to trade skills and trade skilled people and shoot abroad, and it's easy for us to get there. That's the kind of thing that might become difficult. However, I don't. My sense is that this won't necessarily impact on other countries or our need for people to bring business. It might open up opportunities for other countries to take our place, because it's easier for them to draft, you know, agreements with one another. But as long as we are making good drama and as long as we are competitive and as long as people want us to shoot in their countries, I don't know if that'll go away, but it might be harder to do. And it's just upsetting, I think. Merci. Merci pour. Déstabilisant. I'm going to get in huge trouble. Bah, en tout cas, pour quelqu'un qui ne voulait pas parler for du Brexit. For somebody who didn't want to express herself about the Brexit. Abdel, that was alors, great. Brièvement, s'il vous plaît, mais juste quand même, Abdel, là aussi, une petite question d'actualité quand même qu'on ne peut pas s'empêcher de poser. Current news on voit again. Quand même à peu près chaque semaine une nouvelle concernant Canal+, avec qui quand même vous travaillez étroitement, qui sont en général des nouvelles de type un peu anxiogènes quand même Canal+, pour le moins qu'on puisse dire. Voilà, finalement, est-ce que vous voyez, même au niveau de la fiction, est-ce que vous redoutez d'être touché? Est-ce qu'on arrive à la fin d'une sorte de parenthèse dorée? Do you think we are coming to the end of the golden age of Canal+? Du tout. No, not at all. Méfiez-vous de ce que les médias vous racontent. Beware what you read and listen the journalists are telling you. On a quand même des nouvelles, je ne suis pas du tout dans les théories de complot, etc. Yeah, but people are. Oui, il y a un actionnaire. Leaving the boat, etc. Yes, you have one shareholder, Bolloré, who is telling lies and journalists are repeating them without analyzing the information. C'est qu'à l'intérieur de Canal, on what est I know is that inside Canal plus, we are even keener on telling stories than fiction, before. Je ne sais pas ce qu'il en I'm est pour les talking about the, il a une idée, the fiction. Bolloré has an idea to reduce the programs and make a kind of Netflix or HBO out of Canal+. Okay, so we can close the door. We draw the curtain in order for the audience to become curious because they won't know what's inside. But we might be mistaken. Still, it's a chance for new people. J'espère que doing, wanting to que do something different, I hope Bolloré is je veux faire honest when he says that he wants to make a new Netflix or HBO. I hope because it will be useful for everybody. Sophie was talking about exchanges between France. My producer, Clocelli, is also producing the series Versailles. Writers are Brits. C'est une des séries comedians are Brits, French, etc., etc. The main qui joue le roi, actor les playing sont the king. De lui. Au début, la presse all the French ladies are fall in Versailles love with him. Anglais, and que les anglais, he's the les French king and he's a foreigner. So, but they are so talented that my producer is surprised every day by their quality. And these British comedians, actors are writing with technicians who don't speak English. So all this. Et des rumeurs et compagnie, je veux même beyond pas that, dire, what's happening si between dit, the shareholders, I don't care. If Bolloré wants to make something more powerful out of Canal+, and my department is still there, several people, they are still there, it's not a problem. What worries me more is that it's a bit sad to have only Canal+, France Télévision, that should be the equivalent of the BBC.
producing wonderful TV series. Mais celle que je regarde actuellement, qui est juste me, what I'm watching currently is Peaky Blinders, and it's mind-boggling. I love it. Why can't we do something like that at France Télévisions in France? And not only a Canal Plus Downtown AB is deepening the collective unconsciousness of British plutôt que d'offrir des produits mongoliens au public, psyché. En plus du foot, pour les rendre un peu plus cons. Et so là, je pense sérieusement à TF1. Can't we d'accord, do voilà donc something une forme like de conclusion that, qui ne vous empêchera pas quand même de suivre une finale dans laquelle est impliquée but, une équipe don't un peu, je crois, française. Merci en tout cas pour les perspectives the French et les échanges. Football, thank you very much, Jim, thank for being for with us for this moment. Merci.